Une peinture sensorielle dans une focalisation de simplicité pour une manière d'exprimer ce qui ne peut pas être communiqué avec la parole restée une science incomplète, afin de proposer au monde en perte de repère un regard sur quelque chose de précis, pour que ce que l'on regarde, comme pour une musique que l'on écoute, nous vienne le ressenti de l'émotion d'un truc. Plus de sol, donc plus de racines, ossature en équilibre pour ne reposer sur rien. Réfugié dans un jardin secret à la volonté de n'être vu par tous, l'arbre existe dans son ensemble complet, à la reproduction exacte, à la brindille près. Aucune partie ne manque, le contraire serait comme une lecture de la moitié d'un livre. Derrière un fond jaune de Naples couleur apocalyptique très rare, faisant peur parfois tout comme le sirocco dont la lumière transporte le sable, se dresse en suspension l'unique architecture squelette d'un chêne sophistiqué noir. Unique, tout est dit, et pourtant dans cet arbre, il y a tout. La correspondance de ses branches s'oriente toujours pour établir son équilibre, aux directions de quelque chose, afin de donner et donc recevoir. En pleine ramification, assujettie aux lois de la pesanteur, de la physique et de la perception, non rebelle aux repères dans ses gènes, tout a une explication. Parfaite, telle une œuvre d'art, son enchevêtrement n'est pas le fruit du hasard. En permanence, sous nos yeux, rien n'est plus beau que l'harmonie de la nature. De ce chêne, chacun de nous devrait lui ressembler pour être son enfant. Chercher à atteindre le vrai équilibre qui ne passe que par la victoire de l'amour, seule science et clé permettant cet état. Bien que né du fruit du péché depuis la nuit des temps, plutôt que de cingler au cap d'un monde de peur déséquilibrée, au vouloir absolu d'intérêt, matérialisé de lignes droites bien rangées, alignées, mesurées, définies. Nous, êtres humains qui ne sommes pas finis, contraints sinon forcés d'être encore sur Terre, à revoir notre système de pensée aux incompréhensions suscitées par le fruit de la passion, qui amène à tourner en rond les esprits et empêche de vivre, la technologie a surtout fait accroître l'ascension des hommes qui ne peuvent avoir raison. Ceux-ci et ceux-là diront peut-être en partant « j'ai tout réussi, sauf ma vie ». De génération en génération, pour avoir fait et en faire ce qu'ils en font, Duchesne, il ne porte que le nom de son fruit, jusqu'à l'accomplissement de la prophétie d'un nouveau monde au paradis artificiel, échoué d'humanité sanglante.